Merci. Donc, un Pokémon avec un bouclier. Attendez. Il y a un rapport avec la météo ici aussi, non? Je sais plus. Salut, Seracrol. En vrai, la zone est hyper grande. Hein. Est-ce qu'on considère qu'on est en tempête de neige? Oh, pop, 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 pop. Non, 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 je l'ai vu. Je l'ai vu. Il va y avoir un rapport avec la météo ici aussi. Mais je me souviens plus ce qu'elle a dit, la dame. C'est ça le truc. C'est que si c'est un rapport avec la tempête de neige, je m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas vraiment. Dans les plaines, il n'y avait pas de rapport avec la météo. Donc, je ne sais pas trop. Un Electek en plein milieu là? Sérieux? Je pense que c'est un rapport avec la météo. Ouais, ça doit être ça. Où est-ce qu'il pourrait être sinon? Sont tous liés à la météo de toute façon. Un gros orage de... Ouais. Une grosse tempête de neige, quelque chose comme ça. Genre comme ça. Ouais. Une grosse tempête de neige comme ça. Ouais. Ça me va. Une assez grosse tempête de neige, ça? C'est pas une assez grosse tempête de neige, ça? Même. Oh punaise, c'est bon. Par contre, alors par contre, excusez-moi. Mais voilà. Là, toi, tu m'embêtes beaucoup. Tu m'embêtes énormément. Non. Non, non, en fait, je suis pas d'accord. Au revoir. Oh, il résiste. Ça c'est pas cool. Il résiste. Voilà. Le baron, je m'en débarrasse. On retourne à nos affaires.
sera quand même moins chiant que sur la mer, je pense. Ou pas. Oh là là. Et d'un. Et deux. Trois. Je sais pas. Je sais pas combien. Et d'un. Non mais par contre non, y a trop de... Bon d'accord, allez. On va clean ça. Oui, oui, j'ai compris, on clean. Allez, on clean. On clean. On clean. Voilà. Voilà. Pardon? Pourquoi? C'est quoi qui m'a attaqué par derrière là? Qu'est-ce qui m'a attaqué par derrière pour de vrai? Je n'en ai aucune idée. Comment est-ce que je peux la voir? Et de 1. Et de 2. Ok. Donc 3 boucliers. Il a 3 boucliers. C'est ça qu'il faut que je retienne. Aïe! Donc c'est bon. Non, c'est pas bon. Enfin, je suis passé à travers les tornades, c'est le principal. En vrai, c'est quand même le principal. 2 secondes, hop là. Voilà. On a esquivé le spectrum. Alors non, par contre, je passe à travers là. Ok, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Si j'y arrive. Ok. Stand-by, 2 secondes. On attend. Ok. Mais qu'est-ce qui m'attaque? C'est Spectrum. Spectrum, tu me casses les bonbons. Faut que je, en fait, il faut que je nettoie la zone avant. Voilà. Mais est-ce que les tornades bougent? Est-ce que c'est moi qui fonce dans la tornade? Ou est-ce que la tornade bouge réellement? Touché. Pas touché. Là j'étais beaucoup trop loin. Il va attirer le spectrum, sinon c'est pas drôle. Non, c'est bon.
Qu'est-ce que... Non, sérieusement, il y a des moments où je prends des dégâts, je sais pas d'où ça vient. Et de deux. Non, pas encore ça. Non, pas vers le spectrum. Je suis pas assez rapide. Aïe 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 aïe. Salut Pocanta sur le chat. Allez. Bon, ça va, j'ai pas perdu énormément non plus. Salut Pocahontas, du coup, pardon. Installe-toi, ici Jake sur Iva Sound Studio. Et tant bien que mal, j'essaye d'attraper ce Pokémon légendaire, mais... Enfin, je le comprends un peu mieux que le Pokémon légendaire d'avant. C'est déjà pas mal. En vrai, c'est déjà pas mal. Ouais, je vais rester à l'hyperbole pour le moment, c'est pas grave. Est-ce qu'on est encore en pleine tempête ou on n'est pas en pleine tempête? Ouais, on est en pleine tempête. Tu veux pas le combattre? Mais j'ai pas compris comment le combattre en fait, c'est ça le truc. J'ai pas compris comment le combattre, si jamais on peut lancer le combat. Une boule de neige suffit. Juste pour le combattre? Mais la boule de neige, moi, ça lui enlève le bouclier, ça le combat pas. Ou alors, attendez, j'ai peut-être une idée. Dès que le bouclier part, puis t'envoies le Pokémon. Ah. Et mais est-ce que je peux casser le bouclier en envoyant un Pokémon? Ça, c'est une question. Une bonne question, en vrai. Non, pas sur... C'est pas grave. Pas grave. C'est pas grave. On peut casser le bouclier en envoyant des Pokémon. Ça peut me faire économiser des items et donc perdre moins d'items quand je meurs. Ça peut être pas mal. Danger. Et il s'est TP lui, hein. Ok, c'est foutu. C'est foutu. Ok, on va clean ce petit combat là. Au lieu de te fatiguer à courir derrière lui, tu lises Guerri Aigle. Laisse-toi tomber dans son dos. C'est pas bête. C'est pas bête. Aigle dans son dos. Pas bête. Celui sur l'eau était beaucoup plus relou. Oui, 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 bah oui. Celui sur l'eau, j'y ai passé 2 heures là-dessus, sans rire. Alors, je viens d'arriver quasiment à l'instant dans les terres immaculées là. Donc celui sur l'eau, Fulguris, je crois. C'est bon, c'est fait. J'en ai profité pour faire ses tâches Pokédex en suivant. Donc c'est bon, tranquillement, c'est fait. Alors me laisser tomber dans son dos, mais attends. Il est où son dos? Ah, intéressant. Très intéressant. Un peu contraignant, mais intéressant. Oh, trop bien.
pas suffisant. En vrai, c'est une super strat. Je te remercie beaucoup. Ah, c'est pas tout à fait dans son dos. J'aurais dû faire ça pour celui des plaines aussi. Même si celui des plaines, ça va, c'était pas si long. Deux. Oh pardon, il y a des tornades dans le ciel. Ah ouais, enfin oui, en même temps oui c'est RP mais quand même. Oh. Dommage. Ça me fait... Ah, ça me fait économiser des hyperboles quand même. Je l'ai vu la madame qui voulait m'attaquer. Je l'ai vu. Pourquoi tu veux vraiment pas le combattre? Je vais essayer. En vrai, on va essayer. Oups. J'ai raté. De 1. Il est où? Ah, il est là. Et de 2. Ah, les tornades dans le ciel, j'ai du mal à les esquiver par contre. Et de 3. Ok. Alors attends, faut pas que je le mette KO. Mais il y a lui qui va m'embêter en premier. On enlève d'abord l'Onigdali. Voilà. La gros relou, un petit peu. Alors qu'est-ce qu'il va me faire? Oh, mais je le vois faire des styles rapides. Oh, bah attends, l'attache Pokédex au passage. C'est gratuit. Il va me démonter. Ok. Putain, pardon, moitié vie. Je peux pas me permettre de... Réfléchis. Je veux pas le mettre KO. Faut me dire, je ne peux pas le mettre KO. Je fais comment maintenant? Comment je fais? Est-ce que si je repars, je remets une tempête, il revient? Genre, il est allé au centre Pokémon, il s'est soigné et tout, il a eu le petit massage de l'infirmière Joël. Tout va bien? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Ça serait trop simple. Ferme le jeu et recommence. Soit il me semble qu'il peut... Mais de toute façon, il est obligé de repop pour l'émission. Il ne peut que repop. Ouais, on va dire qu'il repop. Punaise, je suis deg. Bon, au moins j'ai réussi à le mettre en combat. C'est déjà pas mal. Est-ce que ceci est un blizzard?
Non, c'est juste une temps de la neige. C'est pas un bizarre. Alors, on refait. Voilà, il neige rien du tout. Après la première attaque, plus besoin d'attaquer. Juste gâche tes balles pendant qu'il assassine tes Pokémon. Ouais. Ouais, bah si, oui, de manière, oui. Oui. Faut que je recrafte un peu par contre. Bon, la tempête, c'est quand tu veux. Hein. Ah bah, génial. C'est pas pour maintenant. Voilà. J'espère sincèrement qu'il va revenir en vrai. Ça souffle un peu, c'est une tempête ou pas? C'est une tempête, go! Alors, où es-tu? Où es-tu? Oh, il y a le baron qui est revenu. Oh, le baron, il va vraiment m'emmerder. Salut, baron. Le baron, on le dégage. Mais ça va, oui? C'est la fête? Bon alors, où es-tu, Pokémon? En vrai, je suis même pas sûr qu'il repop. C'est une supposition par rapport à la logique du jeu. Mais tu dois peut-être revenir en arrière, revenir au village. Ou revoir la madame, peut-être, penser à... Au moins, ça, il y a du vent, il y a de la neige... Oui, ça, pour moi, ça c'est un blizzard. Donc, il devrait pas être loin. Il devrait. Hop, hop, pardon, attention, par contre, il y a l'autre là. Quoique, attendez, hey, vous savez quoi? Je vais faire ce combat là qui m'embête depuis tout à l'heure. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Allez, viens là. Voilà. Elles ont pas compris ces filles que ça sert à rien de s'acharner. Et ça me prend un peu d'argent au passage. Je viens de lire, il va repop. Ah, merci. Ça me rassure. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Des pépites, bon, si tu veux. Donc faut aller au village, tu dis. Très bien. Allons au village. Après l'agro. Voilà, c'est bon. J'en profite pour me régénérer au passage. Croise les doigts par contre. Hein.
dégage. Tac. Bien. On est en tempête ou pas? Non, c'est... Attendez, je vois pas. Non, c'est une petite neige, ça, on est d'accord. C'est juste une petite neige, de rien du tout. C'est pas de la tempête. Tiens, tant qu'à faire. Toujours ça de prix. On va faire quelques achats. Je suis contente, j'ai enfin fini toutes les pages de niveau 10 tout à l'heure. Toutes les pages? Des 242 Pokémon? Toutes les pages? Oh le bino. Eh, hey, chapeau. Toutes les pages. Franchement, gros GG. Ça, j'ai clairement pas la foi de le faire. La dixième étoile du truc des chercheurs. Quand j'ai vu l'XP qu'il y avait besoin, j'étais là. Oh punaise. J'ai vraiment pas la foi. Pour le charme chroma, pas le choix. Ah bah oui, bien sûr. On aura plus de chances d'avoir les shiny, ouais. Mais faut en avoir de la patience. Hein. Après, c'est comment rajouter de la durée de vie du jeu de manière très exagérée, je trouve. Pour un item. Bon, après, enfin, l'item se mérite. Quand même, l'item se mérite. Quand tu veux la tempête de neige. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Allez la tempête, on y croit. On n'a aucun contrôle sur la météo. Non, punaise. Je clique trop vite sur le bouton A. Non, toujours pas. Ah. C'est bon, ça c'est la tempête. Ça c'est bon. On est go. Après avoir fini toutes les pages, il me manque environ 3000 points pour la dixième. Oh. Sérieux? Faut vraiment mériter jusqu'au bout ce qu'on a besoin, enfin ce qu'on, nos objectifs personnels sur le jeu. C'est impressionnant. Impressionnant. Au moins ça t'évite de galérer si tu tues par accident encore. Je te conseille d'enlever ta sauvegarde auto et de save maintenant pendant la tempête. Alors, ah attends, oui. Deux secondes. Attends. Je me mets ici. Comme ça je l'ai en visuel. Oh punaise, il y a le baron. Sauvegarder. Voilà. Et de désactiver la sauvegarde auto. Il vaut mieux re-sauvegarder maintenant en fait. Voilà. Ok. Bon, par contre, il y a le baron qui va manquer finir.
en vrai. Salut Baron. C'est vrai que les histoires de sauvegarde auto comme ça, j'ai pas le réflexe de m'en occuper pour optimiser un petit peu mon temps de chasse. Oui, c'est de la chasse de toute façon. Pas soigner mon typhlosion là. Bah non, j'ai rien. J'ai rien pour le soigner. Voilà. Il m'a vu. Aïe. C'est qui met aggro là. Ah bon quand même. On attend. Voilà. Et deux. Et de deux. Et de raté. Il est où? Ok, en fait il m'a vu. C'est ça le truc, c'est qu'il m'a vu. On va s'éloigner un petit peu, on va revenir. Un seul suffit de lancer le Pokémon direct après. Ah! Parce que j'ai l'impression que c'est trois boucliers différents. C'est pour ça? Allez. Moi je pourrais lancer plus d'hyperbole en combat. Ça c'est pas bête. Jusqu'à ce qu'ils me mettent tout le monde KO. Croisons les doigts. Sérieux? Au final, sur les trois, entre guillemets, ça aurait été le plus simple à capturer. Merci pour les strats et les coups de pouce, parce que j'aurais galéré sinon. Un grand merci. Vraiment. On va attraper le colis pas loin de nous, là. Au moins que j'attrape ce colis, là. Quand même. GG. Bah, merci à toi, hein, franchement. Les conseils étaient très, très utiles et pertinents, donc un grand merci. Alors, côté colis. Hop là. C'est juste pour montrer quand même. Voilà.
Bon, là, j'ai eu une mort aux Terres Immaculées. Et tout ça, là, c'est à cause de Fulguiris, ce fameux génie aquatique, là, dans la côte Lazuli. Tout ça, là. Ça me déprime. Ça me déprime. Ah oui, quand même, ouais. Un peu beaucoup. Hop là, bonjour professeur. Bon. Mince, j'aurais dû faire les tâches Pokémon. Je suis bête. Je vais les faire, mais ailleurs. Je vais les faire ailleurs. Histoire de pas perdre trop de points de vie non plus. Parce qu'aux Terres Immaculées, les Pokémon ont quand même un niveau un peu élevé. Alors, la mission. Montrer les... Ah ben en plus c'est ça, je suis obligé de faire la page Pokédex. J'allais passer par Panséa, mais en fait non. Je suis obligé de faire la page Pokédex. Je suis vraiment obligé. Donc, hop là. Bonjour madame. Je vais ici. Hop là, Torterra, on te retrouve plus tard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Boréas, alors. 6 extra. Ouais, bon, en gros, c'est comme tous les autres, quoi. 6 extra ascenseurs. Ouais, je vais sur du 6 et du 8, là. Ok. Et j'ai le tampon de Terre Immaculée et pas Marée Carmin. Et vu que là, je sais qu'il me manque Arceus. Et ouais, il me manque encore un Pokémon en fait. Il me manque encore un Pokémon. Il y a Panséa, elle va me donner quelque chose là. Panséa, elle va me dire, hé, hey, attends, en fait, il y a un autre légendaire. Et après, tu iras voir Arceus. Hop là, on va dans les plaines, comme ça on va fermer en 2-2 la page Pokédex. Tac. Alors, on va aller par là. Hop là. Un peu le un peu abusé ce que je fais quand même. Je m'apprends en plus petit que moi. Heureusement que c'est pas dans mes valeurs hier. Wesh wesh canne à pêche, ça fait quoi? Bonjour Loulous Game. Merci pour le follow. Wesh wesh canne à pêche, sérieusement. On en est là. Je veux bien qu'il soit 6h30 du matin, mais on en est là, d'accord. Au secours, quoi. J'allais toujours ici, les pauvres à Palixi. Bah ouais, oui, il faut faire les tâches Pokédex, donc. Donc bon. Faut faire les tâches Pokédex, hein. Hop là. Oui, j'écoute. Bah, écoute donc. Wesh wesh, canapé. Bon. Normalement, ces tâches Pokédex sur ces Pokémon-là, je les fais normalement rapidement. Je dis bien normalement. Jusqu'au moment où je vais tomber sur quelqu'un qui va me paralyser. Et là, ça sera pas la même chose. Qu'est-ce qu'il raconte? Quoi qu'il y a? J'ai rien compris. C'est peut-être parce que je suis un peu crevé. En attendant, faut réfléchir sur quel est le Pokémon légendaire
Il va me manquer parce que là. Il y avait 4 inconnus dans, à la suite dans le Pokédex, dont les 3 génies là. Et juste après les 3 génies, il y aurait un 4ème génie. Ce serait ça le que Pansea va me dire. Parce qu'Arceus il est un peu plus loin en vrai. Ça doit être ça. Surprise, surprise. Ouais bah je me pose des questions là en vrai. Ah bah d'accord. Ah cool. Normalement ces deux là je peux les avoir en même temps. Salut les potes. Vous avez compté hein, pour moi bien sûr. Oh là là, quelle attaque violente. Faut juste capturer Pansea. Elle veut vivre dans une bol. Non, Pansea, on sait que c'est pas un Pokémon. Ah bah tiens, 25 Musteboué au passage. On sait que Pansea n'est pas un Pokémon parce que elle a parlé de ses ancêtres avant même que la Team Galaxy, enfin, le clan Galaxy pardon, et Diamant et Perle débarquent. Elle, elle était là. Elle, c'est vraiment ses ancêtres à elle, ce sont les ancêtres du peuple de Sinnoh. Donc non, on va pas capturer Pansea là pour elle. Puis Pansea, si ça devait être un Pokémon, c'est un Pokémon quand même très dark. Elle est tout en noir. Aïe, c'est mal. Toujours plus longues les animations d'attaque. Je dois être bon là sur les tâches, non? Non, non, je suis pas encore bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben, en vrai, oui, pour les, le niveau 10, oui. Mais on se calme. Mais j'aimerais atteindre le point 6 du typhon hivernal et le point 6 du puissant. J'aime bien quand c'est carré. Tant qu'à faire. Donc 6 typhons et 6 puissants. Enfin, 5 typhons maintenant. Ah bah tiens. Viens là toi. Ça fait mal. Il m'a bousculé, tout le monde l'a vu. Elle est en deux coups. Ah non, en un seul. Tant pis. Tant pis, tant pis. En vrai ça va, les tâches des trois génies c'est pas très très long à faire en vrai comparé aux tâches des starters et de leurs évolutions où là par contre c'est super long. Là ça va, les génies ça va assez vite. Bon, le piaf il va s'en aller, c'est pas intéressant. Alors des Pokémon qui vont pas fuir là, ici là, ici. Hop là. Salut. L'agro, merci. Genre. Il a évité l'attaque. Sérieusement. C'est à voir. J'avais du puissant à faire. Ouais. Je crois qu'il me manque un typhon et 7 puissants. 2 typhons, 5 puissants. 2 typhons, 5 puissants. Et le typhon, j'ai plus de PP là. J'ai 5 puissants.
Et les pauvres Knotor, ils ont eu. Ils ont été les pooching balls jusqu'au bout. Il va falloir qu'il y ait un comité de protection des Knotor. Là tiens. Et je voulais juste faire deux typhons supplémentaires. Très bien. Donc, je me serais bien baladé à place. On régène les PP. Juste deux typhons, ça va aller vite. C'est carré, c'est parfait. On retourne au bivouac. On va gagner un peu de temps. Ça me fera vite d'aller au pâturage. Tac. Waouh. Petit point d'XP. Quel est ton objectif après Arceus? Alors, s'il y a du contenu en termes de lore, de quêtes, après Arceus, va bien falloir les faire. Par contre, s'il n'y a pas de lore ou de contenu vraiment après avoir Arceus, j'attendrai qu'il y ait ce fameux DLC qui arrive, parce que cette rumeur se fait de plus en plus insistante. Donc j'attendrai que le DLC sorte. Parce qu'en vrai, donc j'ai quand même fait Pokémon Diamant en stream. Et j'ai un peu traîné la patte. Parce que j'ai trouvé ça un peu barbant. Par contre, là où j'avais beaucoup plus d'hésitation au départ sur Legends Arceus, je me suis éclaté sur Legends Arceus en fait. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir sur Legends Arceus. Même en étant posé chill, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et ça me convient. Donc après avoir capturé et fait le Pokédex niveau 10 de Arceus, parce que je tiens à le faire, bah soit j'attends le DLC, sinon je ne pense pas revenir de suite sur le jeu. Par contre, en stream, il y aura d'autres choses. D'ici là, il y aura quand même d'autres choses. Déjà cette semaine, j'attaque Spyro 2 Remaster de la trilogie Reignited Trilogy. Désolé, mon accent anglais est à couper beaucoup tôt. Et mes camarades, parce qu'on est plusieurs à stream sur la chaîne, mes camarades, il y a Endo qui termine l'Abyronia RPG et Draken avec moi en sbire. On est sur Borderlands et de temps en temps on fait du jeu de société aussi. Tu as fini toutes les quêtes secondaires? Oui, actuellement toutes les quêtes secondaires sont terminées. Toutes.
suis d'accord avec vous, pensez à en temps normal, il aurait été préférable de leur rendre la liberté. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Mais avec cette faille spatio-temporelle, il est plus souhaitable de les garder sous contrôle. Jusqu'à ce que la situation s'apaise. Mais la faille, elle a disparu, en fait. Elle est plus là, la faille, elle est pas là. Ou alors, elle est mal fermée, la faille. J'ai raté un épisode. Cependant, je ne t'ai pas encore tout dit. En vérité, je suis Arceus. Non, c'est pas ça. Boreas, Fulguris et Demeteros ne sont pas les seuls. Il y en a un autre. Punaise, il y a un autre génie. Viens à moi. On dirait une fée dans Zelda. Mais attends, mais si... Si il est là, ce génie-là, c'est elle qui l'a capturé? C'est Pansea qui a capturé? Voici Amovenus. On appelle ce Pokémon la déesse du printemps. J'imagine que tu souhaites compléter la page de ton Pokédex au sujet d'Amovenus. Ouais, plutôt. Ce Pokémon n'a point commis de méfaits, mais il est sûrement préférable de le capturer. Bah, il est à côté, là. Il boit le thé avec toi. Vous avez discuté et tout. Tu l'as appelé, il est venu. Donc, il est déjà capturé, en fait. Tu devrais le trouver au Marais Carmin. Mais il est en face de moi. Pourquoi je vais aller au Marais Carmin s'il est en face de moi? Scénario sur 20. Ah, d'accord. Vous voulez qu'on joue à cache-cache? Montrer la page complétée d'Amovenus à penser. Elles sont plus dans l'ordre, mes quêtes là. Voilà, je préfère ça. Sérieusement. Là, pour moi, ça, c'est une facilité scénaristique. Je suis désolé. J'adore le jeu, mais là c'est un mode... Non, le Pokémon, il est là, vous avez sympathisé ensemble. Non, bah non, tu vas pas me dire d'aller jouer à cache-cache avec. Dommage. On s'est tous posé la même question. Bon, ça va. Ça me rassure alors. Ça me rassure. Par contre, je viens de capter un truc. Elle a parlé de printemps. Il y a un Pokémon. Elle parle de mousse, de moisson. Donc en gros, ce sont 4 Pokémon liés aux saisons. Je viens un peu de capter en fait. Marie Carmin, elle a dit. Punaise, il joue à cache-cache. Au marais, il peut être n'importe où, c'est assez vaste. Il peut se balader n'importe où. Alors. Ouais, il peut vraiment être n'importe où. Hein. Tu veux savoir? Ouais, je veux bien. Je veux bien, tant qu'à faire. Ouais. Je veux bien un coup de main. Ouais. En vrai, je commence un peu à fatiguer. Mais je veux terminer mon objectif personnel d'Arceus là maintenant. Enfin, maintenant. Aujourd'hui. Marée écarlate. Ah, bah en plein milieu. Bah oui, en plein milieu. Logique, hein, c'est, oui. C'est logique en vrai. C'est quasiment tous les Pokémon, enfin tous ces 4 génies là, en vrai, ils ont été quasiment tous en plein milieu. Mais en quelle météo? Elle a pas dit la météo. Un Pokémon plutôt calme, printemps, fleuri, en météo en plein soleil. Ah, oh, je le vois. En plein soleil, c'est bon, je le vois. Bah. Ah si, c'est bon. Raté. Mais non, mais pas. Pas grave.
Nul. Nul. Oh, ça fait un cœur, c'est mignon. Pardon, je suis un peu... J'ai du mal à me concentrer. Bah, j'ai lancé 4 fois le Pokémon là. J'ai pas compris. Bon là j'ai raté. Là je reconnais j'ai raté. Non, pas proche du baron par contre. Non, 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 non. Ok. Petit combat. Alors autant j'aime bien le Pokémon, il est joli, il est tout mignon et tout. Autant le serpent autour, je trouve ça dégueulasse. J'aime pas les serpents. Déteste ça. Ok. Je vois rien. Et pardon ? Du premier coup ? Pause. Pause. On sauvegarde. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant on remet la sauvegarde automatique. Pour l'instant on va la remettre. Pour Arceus on va peut-être la renlever. Voilà. Ça sera peut-être plus sage. Jamais, j'ai un peu peur que ça bug maintenant que je l'ai. On va au bivouac. Ok, on va pas au bivouac parce que je suis en aggro. Voilà, c'est bon. On peut aller au bivouac maintenant. Cette strat gâche beaucoup moins d'items. Ouais, bah en fait, j'aurais dû y penser avant. Et c'est une... Pardon, très bonne strat. Encore une fois, merci beaucoup. Et... Je pense que j'aurais peut-être pu économiser les 2 heures sur le génie de l'eau. Parce que c'est vrai que le Pokémon de l'eau, j'ai vraiment galéré. Vraiment, vraiment. Ah, attendez, mais je peux l'utiliser, ça. Bon, maintenant, je peux récupérer sur moi de certaines choses, quand même. En vrai. Voilà. Je vais donner ça à qui? Doucement, les sacs. Ça, je le donne à qui? À la Kazam, tiens. Voilà. Monsieur des... Oui, c'est toi. Monsieur, j'ai besoin de mettre un Pokémon dans mon équipe temporairement. Toi. À la place de Torterra. Voilà. Alors, Pokédex. Amo Vénus. 6. Ah oui, d'accord, c'est pareil en fait. C'est pareil que. Bon, soit. Et là, j'ai les tampons. J'ai les tampons partout. Ah oh, là, je suis content. Parfait. Toutes tes pauvres sacoches perdues. Oui, mes pauvres sacoches perdues. Oui, j'espère qu'elles reviendront un jour. Je l'espère de tout mon cœur. On verra bien. Ah, il y a un petit coquac baron là. Il est empoisonné? Ah non, c'est juste qu'il m'avait vu. Deux. T'as fait tous les arbis? Ouais. Mais je m'étais posé des questions par rapport aux arbis. Mais oui, ils sont. Les arbis sont faits. Hop là, ils sont là. Ils sont tous là. Et il faut savoir que j'en ai eu 22 sur les 28, un peu par hasard en tombant dessus.
Et c'est à partir du 22e qu'on m'a soufflé. Mais en fait, tu peux lire les trucs, les énigmes. Et là, j'ai eu une illumination et j'ai trouvé très rapidement les six derniers qui me manquaient. Et en effet, oui, c'est... au début, je me suis dit, mais non, c'est incompréhensible et tout. Mais en fait, non. C'est juste logique. Donc, les 22, par hasard, je suis très content. Mais en vrai, si j'avais réfléchi un peu plus, j'aurais pu les avoir encore plus rapidement. Par contre, avoir les arbis, je sais pas à quoi ça sert. Je sais qu'ils ont tous pop dans les ruines du marais. Mince, j'ai pas fait le... Ils ont tous pop dans les ruines, là. Enfin, dans le... Là où il y avait la madame vieille. Hop là, c'est où? C'est par là, non? Oui, c'est ça, les ruines bon vivre. C'est dans les ruines bon vivre. Il y a des arbis qui se baladent là-bas, mais je sais pas à quoi ça sert. Je savais pas avant pour les énigmes. Non, ben non, je savais pas avant. Non, non. J'essaie d'y aller quand je passe pour avoir une version baron ou shiny. Punaise, une version baron d'un zarbi, ça existe? Je serais curieux de voir ça en vrai. Je serais très très curieux de voir ça. Bon, par contre, il y a du brouillard maintenant. Pensez à allumer vos feux anti-brouillard. Un zarbi baron. Ça va être rigolo à voir. On va jeter un œil aux ruines juste pour savoir. Oh, j'ai raté. Ah ouais, il a raté aussi. Une minute. Il s'en fout de mon attaque en fait. C'est pas juste, il évite, c'est il s'en fout. Oh bah tiens, cadeau. Voilà. Alors, des petits Pokémon, où êtes-vous? Là, ici. Il y a quelqu'un. C'est un Paras. Non mais vous allez tous éviter les attaques? Sérieusement? Le Pokémon insecte se fiche du type fée. Non, c'est pas possible. C'est l'arnaque. Le truc qui m'énerve, c'est qu'on peut avoir qu'un seul Goupix à l'eau là. Bah oui, en fait, c'est vrai, oui. Avec la mission, en effet, ouais. C'est vrai que ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que là, on peut pas avoir de shiny, en fait, de Goupix à l'eau là. Dommage. Ok, j'en suis où dans les tâches? Puissant, c'est fait. Il me manque un extra ascenseur. Et puissant, c'est fait. Un extra ascenseur. Je vois rien avec ce brouillard. Ah bah tiens. Même pas pour le shiny, j'ai juste une forme de chaque évolution dans mes pâturages. D'accord. Ah oui, bah oui, d'accord. Ça veut dire que tu peux pas avoir Goupix d'Alola et Fenard d'Alola dans ce cas. Ça veut dire que c'est soit l'un soit l'autre. Ouais. C'est vrai que pour ça, ils auraient pu faire quelque chose. Ouais, je comprends. Vortant, tu m'embêtes.
Vartan, il veut pas de mes attaques, on va pas aller voir Vartan. On va aller voir Psychoquack, Psychoquack qui veut bien de mes attaques. Bon d'accord, j'ai rien dit. Il me manque 3 typhons. Hein. 4 typhons. Oh punaise, 4 typhons. Bon, des Pokémon qui veulent bien... Hop, hop, hop. Non, c'est bon, ça va. Je vais y tomber. Des Pokémon qui veulent mes attaques. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? En plein milieu du marais, en général, on m'attaque souvent. Non, j'ai dit pas aller voir tantôt. Sac de nœuds? Non, j'aime pas trop sac de nœuds. Il y a re des psychoquac là. Je crois qu'il y a un cradopo sur la droite aussi. Oh, il résiste. Ok, ça c'est fait. Pokémon dans l'herbe là? Dans le blé, non? Ah si, c'est un petit truc. Un petit rose bouton. À la vitesse lente dans laquelle ta vie est descendue, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Du premier coup. Ça m'aurait arrangé, comme ça j'aurais pu réattaquer derrière. Bon, normalement on est presque bon là. Ah, il en manque un, on est à 7 sur 8. Oh, sérieux? J'ai plus de PP nulle part. Pélute! Voilà! Au secours. Ça me rappelle la nuit dernière sur Pokémon Diamant, quoi. Le légendaire, il a fait lutte et du coup j'ai pas pu l'attraper. J'étais dégoûté. Regirock, je crois que si je me trompe pas. Regirock. On garde pas des baies sur soi pour restaurer les PP? Bah non, parce que j'avais tout mis dans le sac en vrai. Comme ça là. Vu que j'en avais marre de perdre mes items dans la mort. Hop là. D'ailleurs, je peux peut-être récupérer des choses. Ça, tout ça, je peux récupérer. Ça aussi. Guérison, il est là. Et c'est bon en fait. Le strict essentiel est sur moi. Okay. Point Pokédex, c'est 2 hein, qui me manquent. 4, 4 typhons. 4 typhons, allez go. Vite fait les 4 typhons. Est-ce que je vais pouvoir les faire sur le spectre? Le ténèbre. Non, spectre, c'est un spectre.
toujours du mal à savoir si c'est un Pokémon Spectre ou Ténèbre. Ah, oh, ça y est, ça commence. Allez, plus que deux. Ok, et le dernier là-bas au fond, j'ai vu que c'était un psychopathe. Il est où? Ah, il est là. Il me reste un PP de typhon, hein. Faut qu'il fonctionne. Ok, cool. Nickel, parfait. Oh, il me manque deux psychoquacks. Sérieux? Bah alors, attendez, pour deux psychoquacks, ça fait deux tâches, je vais pas m'embêter. Hein. Tant qu'à faire. Voilà, ça fait 25 psychos. Point Pokédex. On a tout ce qu'il fallait. On peut retourner au bivouac. On se régène au passage. On pose ce qu'il y a à poser. On dit au monsieur de poser le génie et je récupère mon Torterra. Voilà. On se casse. Ah, je suis pas passé aux ruines voir les arbis. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça avance tellement pas vite, ça. Ah! Le Pokédex est enfin complet. Et c'est grâce à ton formidable travail. On devrait presque lui donner ton nom. Oui, faut pas exagérer non plus. Le Jackdex? Non, certainement pas. On oublie. D'ailleurs, ce message que tu avais reçu quand tu étais tombé ici. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. On dirait que tu y es enfin arrivé, bravo. Alors, c'est faux quand même, ça. C'est quand même faux. Parce que on me dit « pars à la rencontre de tous les Pokémon », on m'a pas dit de tous les capturer. Alors qu'en fait, il fallait tous les capturer. Donc, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Je me demande où est-ce qu'il faudrait que tu ailles désormais. Bah, il faut que j'aille voir Poncea, déjà. Le temple de Sinnoh, sur le mont couronné, oui aussi. Il n'y a pas à Issui, lieu plus proche du ciel et des étoiles que celui-ci. Mon âme de scientifique s'interroge sur ce qu'il va se passer quand tu iras là-bas. Mais je veux rentrer chez moi. Mais cette aventure, c'est avant tout la tienne. Et c'est à toi de la poursuivre. Oui. Au fond, nous avons chacun notre mission. Se rendre au temple de Sinnoh pour toi. Et peaufiner le Pokédex pour moi. Enfin, à la base, c'est moi qui fais le Pokédex à ta place, monsieur. Donc, pardon. Mais... Je veux retourner au village. Allez, on va avoir pensé à...
Bonjour madame. Je vois que tu as également réussi à capturer Amo Vénus. En même temps, il prenait le thé à côté de toi, donc t'aurais pu l'avoir avant. On appelle ce Pokémon la déesse du printemps, car il paraît à Issui après l'hiver. Lorsqu'il nous fait l'honneur de sa présence, il me porte aux quatre coins de Issui, ce qui est des plus commodes. Quoi ? Le Poké... Quoi ? C'est le Pokémon qui te porte à toi ? Mais t'es qui ? Cela dit, je pense te le confier un moment si tu acceptes. Ouais, si tu veux. Je veux simplement signifier qu'il ne restera pas à tes côtés pour toujours. Je veux aussi te remettre ce miroir sacré. Il permettra à Amo Vénus et ses semblables de changer de forme. D'accord. Un mystérieux miroir qui, en reflétant la vérité, permet de redonner à un Pokémon sa forme originelle. Amo Vénus et semblables et toi avaient une chose en commun. Vous avez soif d'aventure. Et c'est une bonne chose, car la vie est longue, et elle n'est que fadeur si l'on n'aspire à rien. Le dieu des moissons et la déesse du printemps, dans les cieux de Issui sur l'horizon, apportèrent la vie prodige florissant. Du moins, c'est ce que l'on dit. Mon rôle ici est terminé, l'histoire vous appartient désormais. Mais t'es qui, madame ? Non, sérieusement, t'es qui ? T'en sais trop. Et t'es copine avec un Pokémon légendaire. Il te porte en plus, donc t'es au-dessus de lui. T'es qui ? Trop de questions, pas assez de réponses. Bon, bah il reste à aller voir le copain Arceus. Ici. J'ai pas fait les Pokédex de niveau 10 de E là. Je le ferai en off, juste pour mon plaisir perso. Et il reste juste à aller voir... Arceus. Et j'ai pas fait le niveau 10 de Dialga ni de Palkia d'ailleurs. Bon. Eh bien... Dernière ligne droite. Est-ce que je suis préparé? J'ai des rappels max, pas beaucoup. J'ai des potions. Attendez. Attendez une minute. Il y a des choses qu'on va faire. Je suis presque prêt. Je suis pas tout à fait prêt. Il y a des choses à faire. Hop là. Toi, tu prends un niveau. Ensuite, toi, tu prends un peu d'XP. Voilà. Voilà. Ensuite. Et enfin. Voilà. C'est mieux. Je pense que les rappels... Ouais, allez, on y va comme ça. Regarde la forme totem du dernier génie. Je vais regarder. Attends. On peut le voir directement sur le Pokédex. C'est comment on voit ça? C'est, il faut lui donner l'item, non? Miroir sacré. Ou alors c'est un item que j'ai sur moi déjà. Attends. On sent que c'est la fin, que je commence à fatiguer. Hein. Je suis aveugle ou bien? Il faut le transformer une fois avant de le voir sur le Pokédex. Donc il faut que je le mette dans mon équipe en fait. Dans objet rare.
Ah, punaise, oui, d'accord, ok. Ok, alors attends, juste par curiosité. T'as éveillé ma curiosité. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Ganon? On dirait Ganon en... On dirait Ganon de Zelda. C'est très perturbant, hein. Je suis très... Oui, ça me perturbe, je le reconnais. Ils ont vraiment pas été cool. Ouais. Ça me perturbe très beaucoup même. Attends, mais attends, mais attends. Parce que maintenant... Pardon, hein, mais ça me perturbe pour les autres. Donc tant qu'à faire, on va aller jeter un œil sur les autres. Mais je lui ai laissé le miroir ou... Non, c'est bon. On va regarder, hein. C'est mon shiny, c'est lui, c'est Quillfish. Que j'ai eu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt en termes de stats, de stratégie de changer de Pokémon ou pas? En vrai. Ouais, d'accord. Un oiseau, d'accord. Pourquoi pas? Je suis pas fan de la moustache, mais ok, d'accord. Pourquoi pas? Ouais. D'accord. Une sorte de... Un truc mythologique, ouais, une chèvre mythologique, d'accord. Là aussi, pourquoi pas. Un lion, un chat, d'accord. Là, oui, ça me fait penser à des Pokémon légendaires déjà existants. Bon, là aussi, pourquoi pas. Mais là, ça non, pardon, mais ça non. Non, non, tu peux pas faire ça, le jeu Game Freak, sérieusement, non. Mais non. Non, c'est juste non en fait, non. C'est non. Je suis pas d'accord. J'ai pas mon mot à dire, certes, mais je suis pas d'accord quand même. Ah là là. Bon, on récupère notre roster. Allez, on fait l'appel. Est-ce que tout le monde est là? Tiflosion, Musteflot, Luxcré, Raptor, Alakazam, Torterra. Tout le monde est là. Parfait. Non, non, pardon. Attends, va-t'en, va-t'en, professeur. Non, je voulais me TP en fait. Je voulais me TP. Il est mimi en mauve pâle comme ça. Ça va. Mais non. En forme de génie, c'est vrai que le plus beau, ou la plus belle, parce qu'apparemment c'est une déesse, c'est quand même la rose. Amovenus. Mais les autres, c'est juste non en fait. Non le jeu, non. La forme totémique de Damovenus, non. Pourquoi? Juste pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans le brainstorming des créa designers? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est là qu'il fallait aller, au fait, je pense là. Oui, c'est là. Sur cette jolie image, c'est le grand moment. Good luck. Oui. Oui. Les derniers instants. Ça clope. Allez, je vais descendre dans mon tueur quand même.
C'est parti. Votre flûte azur émet un son. Voulez-vous jouer de la flûte azur? Bah oui. Allez, joue-nous de l'ocarina en mode Lugia. T'aurais pu t'habiller pour l'occasion. J'avoue. Quoi? Mais je voulais Arceus, pas un escalier de lumière. Ça se capture pas un escalier de lumière. Ou alors ça veut dire que je rentre chez moi. Chargement? Quoi? Je suis dans l'espace. Je suis au paradis. Tout ça n'était qu'un rêve. J'ai l'impression d'être dans l'œil de l'éternité sur World of Warcraft pour ceux qui ont la ref. Prêt à combattre Maligos. Ah ouais, clairement. Très très inspiré de l'œil de l'éternité. Donc nous avons la lune dans l'espace et Arceus qui se pointe enfin. J'aime pas sa tête. Ah, il rend mon téléphone. Ah non. Si? Non. Quoi? Tu m'agresses? En fait. On peut avoir l'image du jeu, s'il vous plaît? On peut avoir une image? Le jeu. Ah quand même. Oh non, 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 pas ce système là. Et pourquoi il est... Oh punaise. Il me démonte quoi. Arceus, sérieux, j'ai fait plein de choses pour toi là. C'est toi qui m'as envoyé ici. Ça y est, je suis mort. Ça, c'est la partie du gameplay que j'ai le moins apprécié du jeu. Peu importe les monarques. Hein. Bah oui, je recommence. Là, Par contre, je commence avec 2 sur 4. Pourquoi? Je sais pas. Ou alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes d'Arceus? Bizarre. Maintenant, il aura 4 barres. Non. Non, non, non. Mais non. Dégoûté. Oui, dégoûté. Pourquoi est-ce que le jeu me fait commencer à 2 barres pour au final m'en envoyer 4 dans la figure juste après? C'est de l'arnaque. Mais je joue à Pokémon ou je joue à Kingdom Hearts là? Je peux rien faire. Je lui fais rien, je lui fais rien. Lui par contre il me fait beaucoup. Hein. Je m'attendais pas du tout à une phase de gameplay comme ça. Je me suis fait arnaquer sur la jauge.
Bon, il n'y a pas de décor, pourquoi c'est aussi long à charger? Bouge! Bon alors attendez, on va étudier ça un peu plus. Il m'envoie une onde. C'est calmé. Là il m'envoie des... Rien. Je peux rien faire. Je peux rien faire, c'est plus rapide que moi. Bien, je lui ai rien envie. La jauge n'a pas bougé. Si j'abandonne et que je recommence, on récupère 2 barres. C'est ça? J'aurais dû sauvegarder avant. Non. Bah ouais, j'ai essayé d'arnaquer le jeu sur ça, mais le jeu il veut pas. Bon par contre l'écran noir c'est hyper long. Ah d'accord, je fais plein de fois que ça apparaisse. J'ai sauté, allez! Pourquoi est-ce que mon personnage ne se lève pas? Bouge! Naise! Je peux pas tirer ou bouger en même temps. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai vu certaines personnes qui ont commencé avec une barre, d'autres avec 4. Sérieux? On va voir hein, si c'est random. Des personnes qui ont commencé avec une barre. Attends, il m'a dit que j'ai été secouru, mais. Non, c'est bon, ça va, j'ai rien perdu. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Est-ce qu'on peut passer à la cinématique? Non. Ça veut pas. Allez, l'escalier du paradis. Qui est en fait en réalité l'escalier de l'enfer. Aïe. Je peux pas passer la cinématique. Du tout. J'hallucine un peu quand même que Arceus est extrêmement violent alors qu'il m'a demandé plein de choses à faire que je les ai faites de bon cœur. Et Giratina à côté, c'était un nounours quoi. C'est Giratina, il m'a un peu agressé, mais en fait non, il a fait un câlin et voilà, il a été capturé. Arceus, c'est non. C'est, il nous prend pour son esclave et après il nous tape. Voilà. Allez, je peux rien passer, hein. Je peux rien passer du tout.
Les chargements méga longs. Et je me 4 barres. On saute. On saute. On saute. On saute. Là j'ai foiré. Là j'ai raté. Tout à l'heure j'ai essayé de l'esquiver en sautant, ça n'a pas fonctionné. Très mal, voilà par exemple. Quelque chose de bizarre. Premier combat. Il est 75. Pas brûlé. Votre adversaire. Non! Je sais pas si j'ai passé la première barre. Je sais pas si j'ai passé la première barre. Ah oui, je conserve la jauge, je suis pas mazo. Eh bien, méga long ça. Parfait. Il est où? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il est partout.
Je sais pas si c'est bon ou mauvais signe. Aïe. Je suis pas KO. Il est où? Il est où? Pourquoi tu veux pas te battre? Bon, j'ai fait une barre supplémentaire. J'ai fait une barre supplémentaire. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est stressant. Hein. Et cet écran noir méga long est hyper stressant aussi, je trouve. Tous les chargements sont assez rapides dans le jeu, sauf ça, tu sais pas pourquoi. Allez, ça commence. Ok, en fait ça j'ai compris, c'est du rythme. Oh punaise, on reprend cette... Okay. Voilà, c'est mort. Allez, punaise. Non! Voilà, mon plus gros défaut dans les jeux Pokémon, le spam du bouton A. Vieux réflexe de la Game Boy, quoi. Stop. 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 Ah, raté, 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 raté. Vas-y, passe à une autre phase, s'il te plaît. Une autre phase. Celle avec les trucs violets, là. On passe un là. À côté. Ouais, c'est là. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va très très bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Juste cet écran noir qui est très très long, mais sinon tout va très bien. Voilà. Punaise, j'ai pas le rythme. Le truc violet là. Non, c'est pas ça le truc violet. Non, non, je l'ai pas. Voilà, là c'est bon. Okay. Et maintenant. Pas.
Voilà, là. Et ça, le truc, l'animation qui met 50 secondes là à se relever. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça, quoi? C'est maintenant. Mais cette vague, pourquoi je l'ai... Cours! Saute! Tire! Pokéball! Je vais l'avoir la puissance ainsi. Ah, ça y est, il est brûlé. Pas grave. Ah, il brûle. D'accord. Ok. Ok, ça c'est esquivé. Allez. Oui, c'est bon. Une barre. C'est pas grave. C'est pas grave. Dommage. Alors, je ne spamme pas le bouton A. Je ne spamme pas le bouton A. Une fois, on attend. Une fois, voilà. Et là, on conserve la jauge. C'est bon. Game Freak Pokémon Company, un petit patch pour enlever cet écran noir méga long, c'est pas de refus. Tu commences par quoi? Par le rythme. D'accord. Ouais. Et maintenant, tu fais quoi? D'accord, tu me sautes dessus. Encore? Bouge! Il est où? Je suis extrêmement tendu. C'est pas grave. Moi, j'ai fait deux grosses erreurs déjà. C'est d'avoir recommencé tout à l'heure et d'avoir perdu les deux barres de départ.
et d'avoir spammé le bouton A qui, alors que j'étais de nouveau retombé à 2 barres. Ça fait deux fois deux erreurs. Enfin, deux fois une erreur plutôt. D'accord. Sois plus patient. Plus observateur. Plus observateur, punaise. J'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Mais si tu peux le faire. Avec du temps et de la persévérance. Je vais le faire, hein. Ça va être long, mais je vais le faire. Déteste. Sérieusement? Qu'est-ce qu'il fait? Trop long. C'est bon. Non, c'est pas bon. Où il va? La faille. Top. Ok. Dans l'ordre. Il est fait dans l'ordre. Il est fait dans l'ordre. Non, non, je l'ai pas vu. J'avais pas vu que c'était ça. Bon. Le truc rouge au sol, là, il est fait dans l'ordre. À chaque fois. Le repère auditif aide pour le laser. Ouais, mais c'est, voilà, c'est ça le truc, c'est que le laser c'est du rythme. Et j'ai pas le sens du rythme en fait. Voilà, je comprends pas. Je comprends.
Voilà, rien que ça déjà c'est gratuit. La vague bleue, punaise. Quand il fait le truc violet, il y a une vague bleue qu'il faut que j'esquive. J'ai oublié. J'ai complètement oublié. Ça va le faire. Parle pas trop, désolé, je suis en tryhard. Il restera plus qu'une barre, ouais. Non. Non, 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 non. C'est quoi ça? Il est où? Il est où l'ordre? Non! Stop!
trop tôt. Trop tôt, trop tôt, trop tôt. Comme l'âne, c'est l'âne trop tôt. Non, mais... En fait, c'est moi qui rajoute de la durée de vie du jeu, quoi. C'est ça le truc. J'en ai marre d'avoir ce mauvais réflexe du spam du bouton A. Vraiment. Ah oui, on gêne le rapide avec le puissant, bien sûr. Carrément. Ouais. Auto. Voilà, j'ai pas entendu. Ah!
trop ambitieux. Non! C'est pas grave. Deux barres en un try, c'est plutôt pas mal. Doucement, je ne spamme pas, je ne spamme pas, je ne spamme pas. Voilà. On ne spamme pas. Voilà. On est bien. On est bien. Ne spamme pas. Merci. Je suis le premier à en être victime de mon incompétence. Pendant ce temps, le jour se lève. Avec les flashs, j'ai rien vu. Pareil, il faudra peur pour après. Il va m'enchaîner. Ah d'accord, je peux pas en lancer plus. Pas d'accord quand même avec ce combat dans le lore. Tout le reste, ça peut se comprendre, mais ce combat dans le lore, je suis absolument pas d'accord. C'est Arceus qui nous envoie en mode faut ne pas se mamer. Faut la paix dans le monde. Hop là, je me concentre juste pour ce truc là, c'est affreux. Hop là, d'aller voir tous les Pokémon et au final, c'est lui qu'il faut pacifier. Ça, je suis désolé, mais c'est pas logique. Dans l'histoire du jeu, c'est pas logique. Bon, il reste une barre. Si je fais pas de conneries, il reste une barre. Bravo du non-spam.
Ah mais c'est une victoire pour moi ça, pour de vrai. On va s'en rigoler hein. Punaise de vague. Oh il... Non, non. Je touche à rien. Je ne touche à rien. Tu es parvenu à rencontrer tous les Pokémon. Oui, elle est capturée aussi, hein. Tant qu'à faire, vu que c'était ta demande originelle. Il faut dire les mots, monsieur, ou madame, ou... Arceus, il faut dire les mots, c'était les capturer, pas les rencontrer. Tout rêve est à la portée de celui qui persiste à y croire. Je suis d'accord. Par contre, lancer des boules pacifiantes, c'était pas crédible. Le succès de tes actions en est la preuve. À l'image du héros des temps anciens et de ses Pokémon. La contemplation de tels exploits, à nouveau égalée par-delà l'espace et le temps. Éveille joie en moi. Ah ouais, il a l'air vachement joyeux, hein. Autant moi que Arceus. Hein. Voilà. Arceus quand il est joyeux, voilà. Arceus quand il tire la gueule, voilà, c'est pareil. Je ne regrette pas de t'avoir appelé dans ce monde. Attendez. Dans ce monde? Dans ce cas, je suis pas dans le passé? Je suis pas dans mon monde du passé? C'est un autre monde? Bienvenue dans le Pokémon multivers. Je t'offre ma bénédiction. Ah, d'accord. Tu peux pas m'offrir une console ou des manettes plutôt? À toi et à celui que tu vas devenir. Mais aussi à l'univers dans lequel tu vas vivre. Ouais, ok, d'accord, on est dans un multivers. Reçois cette part de moi-même. Puisses-tu me montrer ton monde? Tandis que je serai à tes côtés. Il me donne la plaque légende. Une tablette en pierre imprégnée d'une puissance suprême, lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon, celui-ci obtient les pouvoirs de n'importe quel type. Ah ouais. Mais je vais le mettre sur Magikarp, voilà. Magikarp Forever. Mais sinon, je t'ai pas capturé en fait. C'est tout? Non, c'est tout? On boit le café et on reste. Ah, bon, on retourne au temple. Ah, c'est ça, j'ai subi une illumination. C'était un mirage, voilà, je suis tombé dans les vapes à cause du froid. Arceus niveau 75. Attendez, j'ai des cadeaux à récupérer, je crois. Ah, un premier colis. Merci beaucoup. C'est gentil. Je ne sais pas qui est Jay, mais merci beaucoup, c'est gentil. Bon, point Pokédex. On peut pas capturer Arceus.
On peut pas capturer Arceus, sérieusement. Vous avez attrapé un spécimen de cette nouvelle espèce. Bah non, il est... Bah non, il est grisé, il est pas capturé. Il est grisé. Il est dans tes pâturages. Ah bon? Bah, elle est où la mission? Tout ceci est fascinant. Il en a rien à faire que j'ai vu Arceus. Il en a rien à faire. Niveau de recherche 10. Ah ouais, carrément. Voilà, Arceus vaut 100 points. Enfin, 200, pardon. Arceus vaut 200 points. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Ah ouais, Arceus n'est pas grisé, autant pour moi. Arceus est capturé en niveau 10 du Pokédex et toutes les pages de Pokédex complétées, enfin toutes les tâches, en même temps il n'y en a qu'une seule. Donc voilà. Donc j'ai Arceus qui est là-bas. On va juste le sortir quand même, voir ce qu'il en est. Je suis un poil déçu. Un poil déçu de ne pas avoir vraiment fait le geste de la capture d'Arceus. Bon, en même temps, il était dans mon téléphone, mais bon. Attendez, on va voir ses capacités d'abord. Soin, extrasenseur, jugement ultra-laser, vive attaque, choc mental, pouvoir antique, plénitude. Ouais. Ouais. Il est niveau 75. On va juste le sortir de la Pokéball pour voir. D'accord, il est grand quand même. Voilà, là il est heureux, vous voyez? On voit son beau sourire est magnifique. Mais quand il tire la gueule, c'est pareil. Au secours. Avant de sortir Arceus, tu dois faire quelque chose. Trop tard. D'accord. Je le remets dans le pâturage dans ce cas. Personne n'a rien vu, je le remets dans le pâturage. Hop là, personne n'a rien vu, voilà. Oh, il y a un Zarbi. Il y a un Zarbi dans le pâturage. Je trouve qu'ils auraient pu mettre plus de Pokémon en même temps dans le pâturage. Parce que là, il y en a 4. Il y a Melodelph, Insecateur, Quillpickfish, quelque chose en mode badass. Excellent, Zarbi et Rose Bouton. Il y en a que 6. Dommage. Bon, bah, on va voir les gens. Vous pensez à, faut peut-être voir. Je sais pas. On va jeter un œil dans le bâtiment. On ira voir penser à après. On va voir Marcia. Elena, c'est la... Est-ce que tu veux la coupe, Sino? Oh oui! Ça fait depuis le début du jeu que je demande à changer de coupe de cheveux. Il n'y en a aucune qui me plaît. Aucune. Madame, j'ai tous les Pokémon, en fait. Donc, on va parler à un peu tout le monde. D'accord, ils s'en foutent complètement, les gens.
On va aller voir. Comment il s'appelle, monsieur là-haut. Ouais, il est là. Il a pas bougé. D'accord, il s'en fiche lui aussi. Marcia pour la coupe de cheveux. Pour être assorti à ton nouveau Pokémon. Oh mon dieu, une coupe de cheveux Arceus. Oh, ça va être une horreur. T'as pas des nouveaux items toi à me proposer? Non. Okay. Mais oui, la coupe de cheveux. J'ai tellement dépensé d'argent sur les hyperboles, sur les 4 génies là. J'ai dépensé vraiment la moitié de mon argent sur les 4 génies. Donc j'étais à quasiment 300 000, il me reste 120 000. Alors, qu'est-ce qu'on me fait? Ça, c'est ma coupe quasiment tous les jours en vrai. C'est-à-dire, pas coiffé. Non. Non. Non plus. Non plus. C'est non. Certainement pas. C'est non. C'est... Non. Pas de coupe mulet. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Pardon. C'est la coupe à Percupio en vrai. Pardon ? Non, non, c'est bon en fait. Oh, regarde. Non, je gardais ma coupe de cheveux à moi en vrai. Et j'étais très bien comme ça. Oh, quelle horreur. Blond beige. Bon, on a plein de couleurs différentes. Okay, à la limite, je me teins les cheveux pour... Rouge... blond. Elle est bleu ciel. Non, peut-être pas bleu ciel. Rouge. Allez, on se met en rouge. Et les sourcils, on n'y touche pas. Voilà, on confirme. Cosplay Percupio pour fêter ta victoire. Je m'attendais absolument pas à cette coupe de cheveux. Oh là là. Je préfère prévenir, j'aurai pas les cheveux rouges IRL. Hein. Voilà. Je sais que j'ai déjà un défi de me teindre les cheveux en bleu. Je les laisse traîner depuis un an. Alors les cheveux rouges, c'est pas pour maintenant. Bon, voyons voir les tenues quand même depuis le temps. C'est ici? Oui, c'est ici. Ah. Elle a des nouveaux articles. Alors des casquettes de couleurs différentes. Ok. Beaucoup de couleurs. Oui, en gros, elle a énormément de couleurs différentes. Des chapeaux, des bandeaux. Les masques. Des bandeaux de nouveau. Bandana. Chapeau d'hiver. Chapeau melon. Masque de ninja, c'est le masque anti-covid. Le chapeau à la Persea. Ok. Des kimonos Pokémon. Des trucs à motif. Pour l'instant, il n'y a rien de neuf. Extravagant. Ça, je les aime pas. Le design extravagant, je l'aime pas trop. Les manteaux d'hiver. Veste de festival. Ça, j'aime déjà plus, la veste de festival. Les pantalons, culottes. Un truc à motif. Rien d'intéressant. En extravagant, c'est vraiment pas. Pantalon d'hiver. Culotte courte. Et enfin, des tenues complètes de ninja. Ah, attendez. Voilà,
C'est Naruto. Des vestons. Là, on dirait Détective Conan, je crois, dans un animé ou un manga. Tenue de karaté. Tenue de Sino. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mais quelle horreur. C'est non, c'est un grand nom. Ah, j'aime pas du tout. Tenue de bandit. D'accord. Et après en chaussures, bon, en chaussures, ça va pas être très, très original, hein. Tu vois, t'as tout pour être Percupio. Ah ouais, on peut être Percupio. Je m'y attendais pas, pour de vrai. Je m'attendais vraiment pas à ça. Des bottes diamants, des bottes perles. Y'a pas les bottes platines ? Truc de ninja. Ouais, des nu-pieds, quoi. Ok. Et des lunettes, bien sûr. Des monocles. Des verres teintés. Au secours. N'importe quoi. Voilà, là, à ces lunettes-là, on dirait un des X-Men, Cyclope des X-Men. Voilà. On va rester comme on est, hein. Elle a trouvé la recette. Ah oui, mais ça... oui. Bon, et bien voilà. On va sauvegarder quand même. Quelle heure il est? Il est 8h18 du matin. Un peu plus de 6h de stream. Eh bien, ça aura fait une belle aventure sur Arceus quand même. Alors, il y a des petits défauts scénaristiques que j'ai déjà relevés. Des petits soucis de cohérence. Mais en vrai, pour un jeu Pokémon qui ne ressemble pas à un jeu Pokémon, bah, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai adoré. Pour de vrai, je pensais pas accrocher autant. À la base, j'étais très 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 sceptique. Au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. Contrairement à Pokémon Diamant et Perle, où je me suis un peu ennuyé, je le reconnais, alors qu'à la base, j'étais beaucoup plus hype par ces remakes-là. Donc, à voir les prochaines annonces Pokémon qui vont nous sortir. On est là maintenant, depuis ce 21 février, là on est le 22 février, c'est la fin de la semaine, c'est la semaine Pokémon, où on va avoir des grosses annonces Pokémon sur plein de choses, que ce soit les jeux de cartes, les animés, les Pokémon Unite... Pokémon Go, Pokémon Café Remix, et probablement Pokémon Épée Bouclier aussi, il va y avoir des annonces. Et on attend les annonces Pokémon Arceus, probablement du contenu supplémentaire, une zone supplémentaire. Pourquoi pas pour le mois d'avril, en sortie DLC, je pense. Enfin, en tout cas, c'est une estimation. Peut-être du contenu New Pokémon Snap, ça nous est déjà arrivé aussi. Pourquoi pas, à voir. Je pense pas qu'ils annoncent deux nouveaux jeux Pokémon là maintenant, hein, Arceus vient de sortir, non, je pense que ce sera plutôt du contenu supplémentaire sur des jeux existants. À voir, donc faut se tenir informé sur les médias gaming et les réseaux Pokémon toute cette semaine. On va voir, on verra ça. Voilà, quand est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve la nuit prochaine sur Spyro 2 Remaster sur la console. Et tout le programme, il va sans studio, ouais, c'est sur le... connaissez la chanson, c'est sur les réseaux en bas de Twitch, sur Twitter, sur Discord. Donc voilà, comme d'hab, YouTube, vous venez sur Twitch, Twitch, vous venez sur YouTube faire vos sessions de rattrapage, tout le monde, vous venez sur Discord. Sur Discord, il y a des jeux gratuits à récupérer chaque semaine, profitez-en, c'est important et ça vous fait faire des économies en plus. Donc voilà, il y a de belles pépites à récupérer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur le chat, merci pour tout le monde qui est passé, merci pour les follow. Merci pour les coups de patte quand je me sens bloqué. Merci pour les encouragements. Ça me motive énormément pour le jeu. Et pour le stream aussi. Hop là. Bébé. Il y a le chat qui a bugué. Voilà, c'est mieux. Merci pour le follow, Pokémon Tass. Merci, merci, merci beaucoup. C'est très gentil.
Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, le discours habituel de fin de stream. On se retrouve la nuit prochaine sur Spyro 2. En attendant, prenez soin de vous, passez une belle journée, souriez, la vie vous sourira. Voilà, cordialement. Bisous.